EFM Guadeloupe 96 101 et 103.2. Bonjour à tous, vous êtes comme chaque jour les bienvenus dans notre édition spéciale sur OTV et EFM RTL Guadeloupe. Vous nous regardez à la télé et vous nous écoutez à la radio en simultané. C'est votre rendez-vous, notre standard est à votre disposition au 05 90 32 80 80. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Programme chargé. Nous recevons Stéphanie CM, coach en développement personnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV avec vous. Nous verrons ce qu'il faut faire pour profiter au mieux du confinement, comment s'occuper, comment occuper également nos enfants. Nous prendrons aussi des nouvelles de la Maison du Crabe dans cette émission. Bon, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est l'actualité du crabe et il paraît que les crabes sont contents en ce moment parce que bon, ils ne sont pas chassés ou ils ne sont pas chassés autant, du moins que l'an dernier. Donc la Maison du Crabe dont l'activité est directement impactée. Fritz Bénon, un crabielet, comme on dit, sera en ligne avec nous durant cette émission. Le groupe GBH porte sa contribution dans la gestion de crise du Covid-19. Plus d'un million de masques de protection seront distribués au personnel soignant dans les Antilles-Guyane. Georges Bagoé, conseiller à la présidence du groupe Bernard Ayotte, sera notre invité. Au programme aussi, la CTAP qui se tient en ce moment en visioconférence. La CTAP, c'est la conférence territoriale de l'action publique qui réunit le président de région, la présidente du département, le préfet, les présidents de PCI. Réunion ce matin donc à distance et élargie aux parlementaires pour envisager bien évidemment les actions conjointes à mener pour faire face à cette crise. Le président de région, Henri Chalus, nous fera le bilan de cette CTAP. La députée Justine Bénin répondra aussi à nos questions. Enfin, Jean-Marie Gobardan de Caraïbes Melonniers nous dira comment les producteurs de melons font face à la situation actuelle. C'est notre sommaire, soyez les bienvenus, ravis avec toute notre équipe eh bien de partager ces instants avec vous. Stéphanie CM, vous êtes la bienvenue, vous aussi, sur notre plateau. Merci, Monsieur Fundéré. C'est votre nom de coach. Vous accompagnez ceux qui le souhaitent en développement personnel, en motivation. Et vous avez commis quelques écrits sur ces thématiques. Alors, en ces temps de confinement, vous livrez vos conseils pour mieux passer cette période. Alors, comment ne pas péter les plombs? Alors, pour compléter ce que vous avez dit, je suis la coach qui vous aide à révéler en vous les clés pour booster votre vie. Et justement, j'ai mis en place un système de podcast qui a commencé depuis lundi matin, donc il y a 2 jours, j'offre des conseils pour justement ne pas péter des plombs, parce que c'est vrai qu'on peut être tenté, parce que le confinement, c'est vrai que quand on le voit en premier, c'est difficile, mais j'aide les gens justement à trouver à saisir cette opportunité pour faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire en temps normal, entre guillemets. Oui, voilà. Très bien, ben, vous restez avec nous, vous serez d'ailleurs notre invité fil rouge et nos auditeurs et téléspectateurs pourront interagir, vous poser leurs questions et puis vous demander conseil donc au 05 90 32 80 80 standard de TV et de FM RTL Guadeloupe. Nous allons prendre des nouvelles de la Maison du Crabe et dans un instant nous aurons en ligne donc Fritz Bénon qui est un crabielet donc de la Maison du Crabe, mais d'abord regardons ce petit reportage. Bonjour, vous êtes en direct de la Maison du Crabe, donc vous voyez, je vous montre les crabes de la Maison du Crabe, ce qui nous reste. Donc, à tous ceux et celles qui n'ont toujours pas de crabe, donc vous pouvez toujours venir chez nous. Donc aujourd'hui, nous sommes ouverts exceptionnellement jusqu'à 15h, demain jeudi aussi jusqu'à 15h, vendredi midi et samedi midi. Exceptionnellement, nous ferons un traiteur samedi matin jusqu'à midi pour ceux qui veulent. Donc ce sera le choix entre 2 repas, soit du calalou ou soit du matété. Il y aura également des crabes farcis pour ceux qui veulent. Donc vous nous passez commande au 0690 62 25 65, au 0690 75 81 80.
Donc vous voyez, donc ça commence à partir assez vite. Donc nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Voilà donc pour ce reportage, cette petite séquence vidéo depuis la maison du crabe. Fritz Bénon, bonjour. Bonjour Fritz Bénon, vous nous entendez? Oui, je vous entends très fort. Hein. Voilà, bon, ça ira, on va régler ça très rapidement, ça se passe en direct. Vous êtes le bienvenu sur notre antenne, sur nos antennes de TV. Oui, je vous entends à peine. Parfait, nous on vous entend très bien, on vous entend très bien. Alors, vous êtes donc Crabielet, donc de la maison du crabe entre Mornalo et Le Moule. C'est où précisément? C'est Mornalo ou Le Moule? Non, on est au Moule, pas à Mornalo. Voilà, donc c'est Le Moule, hein, pour ceux qui avaient quelques doutes. Et donc, comment ça se passe? Le mot aussi, cabrioleur, ça fait pas pour moi. Ah bon? Alors, comment faut-il? Non, le nom de mon métier, c'est le cristaculteur. Très bien. Ben, en tout cas, pas les créoles, hein, en créole. Mais bon, donc, reprenez, que je puisse bien noter, parce qu'on apprend tous les jours. Le nom du métier que je fais, c'est le cristaculteur. Cristaculteur. Voilà. Très bien. Mais vous m'autorisez quand même à parler un peu le créole. Vous voulez mon créole, là? Non, je vous embête. On oublie ça. Bon, alors, comment ça se passe pour vous en cette période qui est un petit peu compliquée, hein, par rapport à la crise du Covid-19? Quel impact sur votre activité? Ben, comme je viens de vous dire, je ne vous entends pas vraiment bien. Bon, écoutez. Nous, on vous entend très bien. Pour nous, en fait, la maison du crabe, donc c'est vrai, les bêtes sont là, on arrive à s'organiser. On arrive à s'organiser pour voir comment on arrive à faire la vente correctement et proprement comme chaque année. Donc les gens arrivent, ils veulent tuer les bêtes pour partir bien nettoyer, ça on le fait. Il y a des gens aussi qui viennent chercher des bêtes aussi sous place, ils vous demandent de les tuer. Ouais. Ou alors les gens partent avec leurs bêtes vivantes. Très bien. Et donc, comme on dit, les crabes ont bien couru ces dernières semaines? Je n'ai pas compris. Les crabes étaient au rendez-vous ces dernières semaines? Vous avez eu une... Il y a eu beaucoup de crabes? Écoutez, monsieur, très bonne question. Oui. Cette année, c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de crabes cette année. Ah. C'est vrai, on dirait que les bêtes sentaient quelque chose. Voyez-vous? Très bien. Donc, cette année, les crabes sont tout petits, sont pas gros, et il n'y en a pas beaucoup. Certains qui travaillent avec moi me disent, est-ce que c'est pas les ratons là-dedans qui les ont mangés, ou alors les crabes là-dedans? Moi, avec tous les analyses qu'on a fait, finalement, cette année, les bêtes sont pas au rendez-vous. Parce que même les trous, même, on ne les voit pas. Et les trous qu'on arrive à rencontrer, ils sont petits. D'accord. Donc, pas une année terrible. Ils vont peut-être courir un petit peu plus tard, non? Généralement, pour la Pentecôte, il y en a peut-être un petit peu plus, non? Automatiquement, les crabes vont sortir pour la Pentecôte. C'est vrai, parce que la Pentecôte, c'est pratiquement le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois que les femelles et les mâles se rencontrent. C'est pas dit que les crabes courent comme s'ils sont fous et folles, c'est non. Pas ça, hein. Non, pas au mois de mai, les crabes se rencontrent parce que c'est la période des amours. Très bien. Et comme il pleut beaucoup à partir du mois de mai, donc les bêtes arrivent aussi à marcher un peu de partout. Mais les crabes n'ont jamais couru. Ça, c'est pas bien de dire ça. Les crabes, ils sont là, ils sont en train de se chercher entre mâles et femelles pour progresser. Très bien. Et donc, la vente se passe comment pour vous? Bon, jusqu'à samedi, les gens pourront venir vous voir, récupérer leurs crabes pour les cuisiner durant ce week-end de confinement renforcé. Oui, mais chez nous, bon, même à l'entrée, on a mis 4 endroits que vous pouvez rester debout un moment pour laisser celui qui est dans la caisse payer. Et vous sortez un autre endroit, voyez-vous. Donc, on a bien fait ça. C'est marqué au sol. Donc, les gens, ils viennent, ils achètent parce que les bêtes sont déjà prêtes à consommer. Il faut savoir que chez nous, c'est une entreprise. Hein. Donc, les bêtes sont contrôlées par des vétérinaires et tout. Donc, les bêtes sont prêtes à consommer.
Oui, donc il y a toutes les garanties sur l'origine. Oui, on a toutes les garanties. C'est-à-dire, lorsque vous voulez l'acheter chez nous, vous avez aussi ticket de caisse. Très bien. Et vous faites également des plats préparés. C'est ce que vous allez faire le week-end prochain? Oui, alors demain à midi, il y en aura pour les gens qui passent commande. Je dis bien passer commande. Et on va faire demain du calalou de crabe avec des crabes farcis, mais toujours un truc frais du jour. Et samedi matin, donc le préfet a décidé de dire pour 14h30, je crois, personne ne se retrouve dans la rue. 14h. On va manger samedi et on va commencer à livrer les gens qui ont passé commande à partir de 9h30. Très bien, c'est 14h. Donc, hein. Samedi, on aura du colombo de crabe et du calalou aussi et du matété. Parfait, parfait. Vous avez beaucoup de commandes? On a beaucoup de commandes, ça c'est vrai. Je ne me plains pas. Oui, on précise hein, quand même, je ne sais pas si on a bien entendu, c'est 14h, hein, le début du couvre-feu oui, renforcé samedi. Oui, on dit 14h30, bon, je ne sais pas le préfet. Oui, mais bon, il faut quand même... On dit 14h, voilà. Voilà, pour que vous n'ayez pas du monde à 14h30 qui soit verbalisé à cause et de... Et moi, samedi, ma bonne moitié, moi, j'ai fait ma à midi. Hein. Voilà, ben c'est bien, ça c'est ouais. C'est une sage décision. Parfait. Ben merci en tout cas, Fris Bénon, de la Maison du Crabe. Hein. Merci de nous avoir donné ces quelques précisions. En vous souhaitant beaucoup de courage avec vos collaborateurs, ceux qui vous accompagnent, et en vous souhaitant meilleure fortune pour la suite. Hein. Mais moi aussi, je vous remercie. Hein. Écoutez, donc, si vous en voulez quelque chose aussi chez nous, on est disponible aussi pour vous. Pas de problème, je ne manquerai pas. Merci. En tout cas, de bonnes choses, à très bientôt. À bientôt. Comme disait ma grand-mère, regrettez bien des choses également à vous. Donc vous voyez, hier, je me suis fait rattraper par Babette de Rosière et aujourd'hui, c'est par M. Fris Bénon, donc de la Maison du Crabe. N'est pas un crabillet, mais j'ai pas bien noté le nom, mais je m'en souviendrai et je tâcherai de ne pas l'oublier. Je reviens à vous, Stéphanie CM. Donc, je rappelle que vous êtes coach en développement personnel, motivation. Donc, on parle avec vous de la manière de passer au mieux cette période de confinement. On est déjà dans la 4e semaine, donc ça commence à peser pour certains d'entre nous. Et donc il faut s'occuper une fois qu'on a fait tout ce qu'on n'avait pas pu faire depuis des mois à la maison, le bricolage, les choses qui traînaient, etc. Après on fait quoi? Ben, c'est très simple, hein. Vous revenez à votre moi profond, tout simplement. Ce que j'appelle le moi profond, c'est ce que vous êtes réellement, votre moi profond, c'est-à-dire vos valeurs, vos principes, vos limites, vos talents. Ce n'est pas l'image que vous donnez aux autres, mais ce que vous avez au fond de vous-même, dans votre fort intérieur, qu'on appelle ça. Donc, le moi profond, c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier, mais selon moi, c'est la base de toute réussite. Parce que quand on arrive à être soi-même, on est plus à l'aise pour progresser, pour réussir à atteindre ses objectifs de vie, autant professionnels que personnels. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le moi profond. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que je suis aussi l'auteur d'un livre, justement, où j'explique toutes ces stratégies qui vous aident, par exemple, à contrôler vos pensées, vos émotions, à bien vous entourer. Puisque si vous êtes mal entouré, vous ne pourrez pas réussir. Et surtout, à réécrire votre success organizer. Bon, je vous explique ça, tout simplement. Success Organizer, c'est un ensemble d'outils que j'ai mis en place avec mon expérience et mon recul de professionnel et personnel pour vous aider justement à reprendre votre vie en main. Voilà. De manière pratique, comment faire? De manière pratique. Déjà, alors, comment faire? Pour mieux connaître son moi profond ou quel aspect que vous voulez que je commence? Son moi profond, par exemple.
Alors, moi, en fait, comment faire? Il y a beaucoup de façons de faire. Déjà, je vous dirais de commencer par prendre une feuille. Hein, dès que vous aurez un petit bout de temps, ce serait bien de le faire là maintenant. Parce qu'il ne faut pas non plus se repousser à demain, ce qui peut se faire tout de suite. Voilà. Et notez tout ce qui vous vient par la tête. Comme cela, sans réfléchir. Et surtout, quand vous avez noté ces choses-là, reprenez cette feuille 10 minutes après et prenez du recul pour savoir ce que vous ressentez en ayant noté ces informations sur cette feuille. Voilà, par exemple, vous pouvez aussi noter ce que vous auriez aimé qu'on retienne de vous quand vous quitterez ce monde, parce que c'est dans la logique des choses. Bien donc, sûr, bien je sûr. L'espère dans longtemps, attention, le plus tard possible. Hein, oui. Le plus tard possible. Mais ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, mm-hmm. vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, il y a forcément des aspects de votre vie que vous aimeriez leur transmettre. Ouais. Voilà. Donc, il y a ça déjà. Alors, pour ceux qui sont en couple, je sais que le confinement, ce n'est pas forcément facile. Ça dépend de la relation qu'il y a dans le couple. Si le couple est plutôt soudé, il s'entend très bien, que ce soit spirituellement ou physiquement, ça va plus les rapprocher. Mais si ce n'est pas le cas, alors, moi, ce que je conseille, c'est que, par exemple, quand il y a des disputes, parce qu'il ne faut pas négliger ça, parce que lors du confinement, on est vraiment entre quatre murs, hein, quand c'est un appartement surtout, respectez l'autre. Respectez l'autre, même si vous avez une colère. C'est là que je viens à vous dire de gérer votre émotion. Même si vous êtes révolté par une situation, réfléchissez à deux fois avant de lui dire n'importe quoi. Respectez-le. Ne l'insultez pas. Le ou là, hein, homme et femme, sûr, hein, on se comprend bien. Voilà. Par exemple, et si vous avez d'autres soucis comme l'infidélité ou quoi que ce soit, c'est pas le moment de le régler. Oui, c'est pas le moment de régler les comptes. Voilà, c'est pas le moment de régler les comptes. Par contre, je vais ouvrir juste. C'est bon, mais la tentation peut être grande. Oui, c'est sûr, mais c'est de là justement que je vous dis que. Alors, justement, pour gérer vos émotions, il y a certains outils que beaucoup de personnes connaissent, hein, la méditation, la relaxation. Il y en a qui se mettent à prier, d'autres. Qui utilisent d'autres outils. Bon, moi d'ailleurs, je vais mettre en place des produits liés à la méditation sur mon site stéphaniecm.fr, justement, parce que c'est là que vous pourrez me joindre si vous êtes intéressé par ce que je fais. Et donc, quand vous faites de la méditation tous les jours, ça vous calme, ça vous apaise, et vous pouvez mieux gérer vos colères, vos crises d'angoisse, votre révolte. Parce que la personne qui est en face de vous, je sais que la tentation est très grande, qu'on a envie de le mettre quelque part, mais ne cédez pas. Ce n'est vraiment pas le moment. Vraiment pas le mais moment. Ça ne fera qu'aggraver les choses. Ça fera qu'aggraver les choses. Et non seulement ça, mais vous risquez de vous retrouver à l'hôpital et vous ne serez pas une priorité. Donc, c'est pas bien, c'est pas bien ça. Voilà. Voilà. Vous êtes les bienvenus au standard de TV EFM RTL si vous souhaitez poser des questions, si vous souhaitez porter un témoignage. Stéphanie CM, coach en développement personnel, est à votre disposition sur notre antenne. Et donc, elle pourra vous répondre, vous conseiller. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Le numéro s'affiche à l'écran, 05 90 32 80 80. Vous parliez de méditation à l'instant, mais comment faire? Comment méditer? Alors, il y a plusieurs manières. Hein, vous avez de la musique disponible sur Internet. Je n'aime pas trop faire ça, mais sur les réseaux sociaux, oui. On va dire, je vais pas citer le. Il y a des outils qui aident, qui sont gratuits. Dans les dispositions oui. pour ça. Des outils, vous tapez hein, méditation, ouais. Vous aurez vraiment un panel d'outils et vous allez choisir ce qui vous correspond le mieux. Ça peut être une musique douce, ça peut être une nature que vous allez voir, de l'eau qui coule, enfin, ça ouais. dépend. Chaque personne a sa façon de voir, sa façon de faire. Mm-hmm. Ce qui correspond à une personne A ne correspondra pas à une personne B. Voilà. Ouais. Et quand vous faites ce choix, écoutez justement votre moment profond. Qu'est-ce qui vous attire le plus ? Ne faites pas quelque chose pour faire plaisir et que finalement ça ne vous convient pas. Mm-hmm. Voilà. Donc la méditation, la prière, ben, ceux qui prient, hein, ils savent quoi faire.
les prières qu'ils peuvent faire. Sinon, vous avez la relaxation. Mais ce que je vous dis, vous avez des outils à disposition sur Internet gratuitement. Profitez-en justement durant ce confinement. Oui, bon, encore que sur Internet, il faut faire le tri, hein, parce que c'est un peu du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Après, moi, je conseille plus d'aller sur les sites référencés, être fiable. Hein. Mm-hmm. Je ne conseille pas d'aller sur des forums où on ne sait pas d'où ça sort. Il faut vraiment faire attention justement à ce qu'on écoute. Très bien. On peut s'occuper, Oui, on peut s'occuper durant ce confinement. Pour les adultes, j'ai dit, c'est le moment justement de faire le point sur vos objectifs de vie professionnels. Est-ce que vous voulez changer de corps de métier? Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque sur votre corps de métier actuel? Et comment vous pensez, quelle stratégie vous pensez mettre en place justement pour faire ce saut? Et de bien réfléchir à ce que vous êtes prêt à perdre, parce que quand on fait ce saut, il faut savoir qu'il y a des pertes. Qu'êtes-vous prêt à perdre? Qu'êtes-vous prêt ou prête à perdre pour changer de vie? Très bien. Voilà. Oui, donc c'est aussi une invitation à l'introspection. Puis il faut se créer aussi peut-être des espaces à soi. Oui. Respecter l'espace de l'autre, respecter que l'autre puisse se retirer un moment, Voilà. Alors oui, ça reste. Oui, en fait, se respecter l'autre, respecter son espace vital, comme il respecte le vôtre. Si ce n'est pas le cas, essayez de lui faire comprendre que vous avez besoin d'un moment pour rester seul dans un coin, dans votre chambre. C'est normal. Faut pas vous sentir coupable si vous ressentez ce besoin. Et c'est le moment de le faire. Parce que quand le confinement va être levé, je ne sais pas quand, pour ma part, ce n'est pas maintenant, mais quand il sera levé, il faudra reprendre la routine métro, boulot, dodo. Oui. Peut-être le métro. Oui, bon, c'est pas parler, bien entendu. Non, je vous embête. C'est vrai que oui, ça déroute considérablement. On avait nos habitudes. En fait, chacun avait plus ou moins sa bulle. Oui. Le travail, c'est aussi une bulle. Enfin, les relations sociales, c'est une bulle aussi. Et là, on n'a plus ça. Bon. Le travail permettait justement de sortir. Exactement. De ce quotidien. Et la soupape aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Mais justement, problème. Ah, oui, oui. Parlons de la télé, parce que ça, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Vous savez, je vous dirais, tout ce qui est média, je ne cite aucun média, tout ce qui est média, en ce moment, c'est que du négatif. Alors, vous pouvez écouter, mais limiter à une fois par jour. C'est pas la peine de passer la journée à passer en boucle. Qu'il y a des morts, qu'il y a 10 000 morts, il y a 20 000 morts. Ça va vous. Il faut en sortir. Il faut en sortir. Il faut s'en sortir parce que c'est la peur que l'on crée justement. C'est la peur que l'on crée chez vous justement. Et ça agit sur vos défenses immunitaires, votre système. Et on ne s'en rend pas compte, mais je peux vous dire que ça agit sur votre système. C'est pour ça qu'il faut privilégier, écouter de la musique que vous aimez, regarder des films, des émissions que vous aimez. Videz-vous la tête. Ne restez pas sur les infos qu'on collait aux médias, parce que ce qu'on ne vous dit pas, enfin, ce qu'on vous dit moins, on vous dit qu'il y a 10 000 morts, 1 000 morts, 7 000 morts, mais on ne vous dit pas combien de guéris. C'est très rare. Hein? En tout cas, je vois ça très, très rarement. Ouais. C'est plus rare que ce qui va mal. Parce que si on vous dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont guéris, il n'y aura plus de peur. Vous comprenez là où je veux en venir ? On se précise quand même dans les résultats. Oui, mais c'est moins. Alors peut-être qu'on insiste moins. Peut-être qu'on insiste moins dessus. Voilà, c'est ça le problème. Ce sont des données qui sont disponibles tous les jours, y compris en Guadeloupe. Mais est-ce que les gens auront le réflexe ? Bon, pas retenir, nécessairement. Voilà, ouais. C'est ça que je vous dis justement. De faire un tri dans l'information qu'on vous donne. Après, bon, vous avez la télé, mais s'il vous plaît, pas toute la journée. Pas toute la journée quand même. Si vous avez des enfants, c'est le moment de mieux les connaître, d'être plus créatif avec eux, de les aider justement dans leur créativité. Vous avez la continuité pédagogique qui est très très bien, hein, attention. Hein, mais il ne faut pas non plus que l'enfant fasse un travail scolaire toute la journée. Veillez à faire des créneaux,
Par exemple, il travaille le matin, par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne. Et l'après-midi, vous allez privilégier des activités créatives en fonction de l'âge. Vous allez aussi faire des jeux de société ensemble. Vous allez faire la cuisine ensemble à midi, oui, oui. La pâtisserie. Enfin, vous savez, il y a tellement d'activités qu'on fait quotidiennement qu'on ne se rend pas compte. Mais le fait de partager ça avec vos enfants, ça va créer un lien avec eux. Et ils vont mieux vous connaître et vous allez mieux les connaître également. Parce que quand on est dans la routine boulot, dodo, métro, voiture, ce que vous voulez, on n'a pas le temps. Parce qu'on est fatigué dès qu'on rentre à la maison. On est fatigué. Mais là, c'est le moment où jamais, justement. Oui, le moment de réapprendre à faire des choses ensemble. Réapprendre le vivre ensemble. Ouais. Oui. Et parce ça peut que... passer par de petites choses. Hein. Vous avez parlé de la cuisine, ça peut être le jardinage. Oui, oui, pour ceux qui ont des... Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas trop moins qu'un jardin, malheureusement. Ouais. Je pensais beaucoup à ceux qui sont en appartement, mm-hmm. parce que ce n'est pas facile du tout. C'est bien vraiment sûr. Entre bien quatre sûr. Murs, il n'y a pas d'espace pour courir, pour faire du sport, pour rien du tout. Mais c'est vrai que si vous avez un jardin, hein, oui, c'est le moment de jardiner, de partager ça avec vos enfants, de les faire courir dans le jardin, justement, pour qu'ils fassent un peu d'activité sportive, puisqu'ils sont confinés. Donc, ils vont manger plus, hein. Oui. Et ils mangent plus. Pas que les enfants. Les adultes aussi, bien entendu. Bien entendu. On est tenté. On est tenté. Mais surveillez ce que vous mangez. Oui. Voilà. Occuper les enfants, c'est important. Il faut qu'ils puissent aussi faire des choses. Oui, c'est très important parce que si vous ne les occupez pas, vous les aurez dans votre tête tout le temps. Oui. Tout le temps. Et c'est normal parce que c'est nouveau pour eux. Le fait qu'ils n'aillent plus à l'école, au collège, c'est nouveau pour eux. C'est très difficile pour eux à gérer. Après, même si vous leur expliquez la situation, mais essayez de leur expliquer de façon avec un peu de légèreté. Ne mettez pas trop de peur. Ne soyez pas trop anxiogène avec eux. Après, moi, c'est le conseil que je vous donne. Et ne laissez pas devant les médias toute la journée, s'il vous plaît. Très bien. Ben, vous restez avec nous, Stéphanie. CM, nous partons donc au 05 90 32 80 80. On nous attend Georges Bagoé. Bonjour. Bonjour Georges Bagoé. Bonjour. Vous êtes le conseiller à la présidence du groupe GBH, le groupe Bernard Ayotte, et vous êtes le bienvenu sur notre antenne. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Le groupe GBH se mobilise dans cette crise pour aider notamment les personnels soignants des Antilles-Guyane et vous prenez une belle initiative là en fournissant gratuitement 1 300 000 masques donc pour les personnels de santé de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous avons bien compris que dans cette crise, il fallait que nous fassions quelque chose, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, et nous avons décidé de faire cette commande de masques en Chine, depuis la Chine, pour aider le personnel soignant. Ce personnel soignant que je tiens à saluer particulièrement parce qu'il se dévoue corps et âme pour sauver des vies et prend plein de risques. Donc nous avons décidé de les aider et nous avons fait une commande de 1 350 000 masques qui sont en train d'arriver puisque aujourd'hui, ils étaient à Paris. Aujourd'hui, la Réunion sera livrée avec 600 000 masques. Et demain ou après-demain, ce sera les Antilles et la Guyane. La Guadeloupe en aura 300 000, la Martinique 300 000 et la Guyane 150 000. Nous faisons ça parce que nous estimons que nous sommes une entreprise citoyenne et que nous devons contribuer à aider surtout le personnel soignant dans cette crise planétaire. C'est votre contribution citoyenne, voilà. Absolument. Ouais. Et vos commandes ne sont pas impactées par les difficultés d'approvisionnement qui touchent la Chine, là? Écoutez, ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile. Mais comme nous sommes installés à Shanghai, en Chine, et nous avons eu la possibilité de négocier avec un fournisseur en Chine, qui nous a fabriqué ces max le plus rapidement possible. Le transport a été très compliqué, mais nous y sommes arrivés via le Luxembourg.
Les masques sont à Paris, ils vont arriver à la Réunion aujourd'hui et aux Antilles demain ou après-demain. Donc nous estimons que c'est une opération intéressante, surtout pour le personnel soignant, puisque ces masques seront distribués à l'ARS, qui se chargera de la distribution dans les différents départements. On est bien d'accord, donc ces masques sont destinés uniquement au personnel soignant, hein. Ben, écoutez, oui, bien entendu, si nous faisons une autre commande, on verra. Ouais. Mais pour le moment, nous estimons que c'est le personnel soignant qui en a le plus besoin. Ils sont à court de masques. Ils risquent leur vie en soignant des gens toute la journée, en sauvant des vies. Il faut qu'ils soient bien équipés. Et nous avons bien compris ça. Et cette commande est destinée exclusivement au personnel soignant. Est-ce qu'il faut considérer que c'est une première commande qui en appellera d'autres ? Eh bien, nous verrons, certainement. Nous avons fait déjà plusieurs opérations. Hein. On a fait une opération de gel hydroalcoolique à distribuer gratuitement dans les départements. Nous avons fait une opération voiture à distribuer gratuitement au personnel soignant qui avait des pannes automobiles pour qu'ils puissent se déplacer. Et maintenant, nous faisons l'opération masque que nous jugeons très importante parce qu'il faut que ce personnel soit bien équipé. Encore une fois, c'est un personnel qui est à saluer vraiment parce qu'il se dévoue corps et âme pour sauver des vies et il faut vraiment qu'il soit bien équipé. Est-ce qu'on peut faire un bilan justement de l'opération précédente que vous avez menée qui portait sur les gels hydroalcooliques ? Bien, écoutez, le bilan est simple. Hein. Nous avons distribué gel hydroalcoolique surtout aux hôpitaux. Je n'ai pas de bilan particulier. Nous avons fait cette opération-là parce que nous jugions à l'époque que c'était extrêmement nécessaire. Il y avait un manque total de gel sur la place. Et nous avons été autorisés à en fabriquer avec de l'alcool à 90. Et nous avons fait ça en partenariat avec une entreprise qui nous a permis d'avoir son savoir-faire pour produire du gel hydroalcoolique. Cette crise impacte, on le sait, hein, les entreprises, quelle que soit leur taille, hein, c'est toute l'économie qui est ébranlée, la santé de chacun d'entre nous également, hein, puisque nous sommes tous soumis à ce risque, donc Covid-19. Pour autant, cette crise est source d'opportunités aussi. On l'a vu avec le gel hydroalcoolique, c'est aussi une source d'opportunité pour les entreprises de la place qui jusqu'à maintenant ne produisaient pas ces gels. Ben, écoutez, oui et non, c'est pas notre métier, hein, de faire du gel hydroalcoolique. Nous l'avons fait pour dépanner, mais c'est pas notre métier. Bon, c'était absolument nécessaire, donc nous l'avons réalisé. Très bien. Quelques inquiétudes, j'imagine, pour la suite, sans parler uniquement du groupe GBH, mais globalement, au niveau de la machine économique. Non, globalement, tout le monde est inquiet. Tout le monde sait à l'évidence que l'économie est fortement ébranlée. La crise est planétaire, hein, elle est partout. Donc notre économie va être très fortement ébranlée. À nous de, avec notre énergie après, de la remettre sur les rails. Mais elle sera fortement ébranlée à l'évidence. Georges Bagoé d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Et restez chez vous. Oui. Tout à fait. Merci de rappeler ce conseil important. Rete à casa zot. Nous sommes là avec vous dans les studios de TV, mais nous faisons attention, nous respectons les consignes sanitaires, nous respectons les gestes barrières et nous ne nous mettons pas en danger, pas plus que nous ne mettons en danger nos invités qui viennent en plateau. Stéphanie CM, vous faites partie de ces quelques rares invités qui venaient jusqu'à nous, hein, et on vous en remercie. On vous remercie pour
vos conseils prodigués donc en tant que coach pour passer ce temps de confinement dans les meilleures conditions, sans casse, et en se projetant autant que faire se peut sur l'après. Oui. Et le déconfinement qu'il va falloir gérer aussi. Ça, c'est encore une autre question. Parce que bon, moi, comme je vous dis, en tant que coach, j'ai mis en place un podcast depuis lundi. Tous les matins, les personnes reçoivent ce podcast sur leur smartphone. Hein, et où je conseille, par thématique, hein, chaque jour, il y a une thématique que je développe. Et je compte le faire durant toute la période du confinement pour vous aider, justement. Et... parce que c'est vrai que ce n'est pas facile du tout, mais j'essaye de vous aider à voir qu'il y a quand même un côté positif et qu'il faut quand même le saisir. Oui. Ouais. Et donc, tous les jours, donc, vous produisez du contenu. Voilà, du contenu audio sur les réseaux. Hein. Ouais. Après, je vous invite quand même à aller faire un tour sur mon site, stéphaniecm.fr. Donc c'est tout minuscule, sans accent, hein, tout collé, stéphaniecm.fr, et vous avez accès à tous mes réseaux, voilà, et vous pourrez aussi avoir accès au livre Boost a Life, comment transformer ta vie en 19 jours, parce que c'est possible avec les bonnes stratégies, voilà, et vous l'avez en papier et en numérique, voilà. On prend l'exemple d'un conseil, par exemple le conseil que vous avez donné ce matin. Ce matin ? Ouais. Ce matin, j'ai parlé... Alors, hier, c'était pour les enfants. Donc, ouais. Ce matin, j'ai parlé de... Parce qu'en fait, j'avais programmé. Alors, ce matin... Hier, les enfants. Bon, hier, c'était pour les enfants. Oui, j'ai conseillé justement de les occuper au maximum parce que je sais qu'ils peuvent être, comme j'aime dire, ils peuvent nous prendre beaucoup d'énergie, surtout quand ils sont petits, hein, je pense. Mais après, quand ils grandissent, c'est autrement. Hein. Mais quand ils sont petits, c'est vrai que pour les tout petits, par exemple, 2, 3, 4 ans, 5 ans, je conseille de faire avec eux des activités pour qu'ils se développent, oui. des puzzles, des constructions. De la peinture. La peinture, du dessin. Et puis, faites avec eux des comptines. Vous pouvez justement commencer à apprendre avec eux une nouvelle langue, parler comptines. C'est disponible aussi sur Internet, hein, gratuitement. Tout ce que je vous dis, c'est gratuit. Il faut juste aller sur les bons sites, mais c'est gratuit. Voilà. Très bien. Oui, la solution, ce n'est pas des heures et des heures de dessins animés. Surtout pas. Surtout pas. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les dessins animés, au début, c'est bien, c'est bien. Mais ça ne développe pas l'enfant. Il risque justement d'avoir un problème de développement dans son cerveau, la mémoire, la concentration. Et les écrans n'ont jamais été une solution. Voilà. Les écrans doivent être une option, mais pas une solution. Oui. Voilà. Et l'importance de l'activité physique qu'il faut se dépenser. On a la possibilité de sortir une heure quand même. Bon, quand on peut. On peut pour l'instant. Ouais, ouais. Pour l'instant, on peut. Jusqu'au couvre-feu. Voilà. Renforcé, mais voilà, tant qu'on peut, il faut le faire. Il faut le faire quand même, oui, c'est vraiment préférable, même si c'est une heure, c'est toujours une heure. Après, ceux qui ont un jardin, ils ne sont même pas obligés de sortir, puisqu'ils ont un jardin. Personnellement, ce que je fais en tant que parent, puisque je suis aussi parent, mes enfants, le matin, nous travaillons dans la continuité pédagogique, et l'après-midi, c'est activité et sport. Sport, beaucoup de sport parce que mon fils aîné aime concourir, donc je le fais faire des détours dans le jardin et ça se dépense. Ouais. C'est très important parce que si les enfants restent devant la télé, ils risquent aussi l'obésité. Eh oui, l'obésité. Parce qu'on grignote oublie... en même temps. Ah ben oui, on grignote en même temps. Et puis après, bon, j'aimerais bien parler de l'alimentation, si vous avez un petit peu de temps. Parce que j'ai observé, hein, quand j'ai fait des courses, les rares fois que vous allez faire les courses, parce que je précise bien que j'ai fait les courses peut-être maximum de fois depuis ce confinement. C'est bien, c'est bien. Voilà. Parce que j'essaye de respecter au maximum ce « rester chez vous ».
parce que je ne sais pas finalement si je l'ai, si je ne l'ai pas, hein. j'ai pas testé. Nos enfants sont potentiellement porteurs, des porteurs sains, donc on ne sait pas finalement si on le porte. Et quand je sors, je mets un foulard, parce que je n'avais pas de masque, hein. je mettais un foulard. Mais j'ai observé des choses qui m'ont questionnée. Et je tiens à le dire là maintenant, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il faut être responsable. Quand vous allez faire les courses, s'il vous plaît, mettez un foulard. On n'a pas de masque, ok. Mettez un foulard, mettez un tissu, double épaisseur de préférence, pour être sûr que ça limite au maximum. Et n'allez pas sans rien. Et quand vous allez avec vos enfants, déjà, mettez-leur une protection, s'il vous plaît. Parce que les caddies, les rayons, les produits, ils ont des germes. Déjà, en temps normal, ils ont des germes, mais là, avec ce virus, on ne sait pas où est-ce qu'on est. Si quelqu'un éternue près de votre enfant, il n'a pas de foulard, il sera infecté. Quelqu'un tousse, quelqu'un vous parle, il y a un postillon, il sera infecté. Et vous-même, vous serez infecté. S'il vous plaît, parents, soyez responsables, protégez vos enfants, protégez-vous, mais protégez aussi les personnes les plus fragiles, parce que vous ne savez pas qui est près de vous. Si vous lui donnez ce virus, elle peut en mourir. Vous ne savez pas qui est près de vous. Donc, protégez les autres. Voilà. Oui, il faut penser à soi et penser aussi aux autres. Oui, c'est vrai qu'on voit aussi des choses dans les hyper et supermarchés qui sont encore ouverts. On ne respecte pas forcément la distanciation sociale par moment. Hein. Pourtant, il y a des repères au sol. Oui, oui, parce qu'ils ont fait le maximum. Hein. Moi, et puis privilégier les commerces de quartier, les petits commerces, les grands centres... limité. Franchement, privilégiez les petits commerces et faites vivre nos producteurs locaux. Oui, ils en ont besoin. Important. Voilà. Parfait. Merci. Merci à vous, Stéphanie CM, donc, d'être venue sur le plateau de TV. On va, merci à vous. Vous allez rappeler vos coordonnées, oui. Vous montrer votre ouvrage, Boost Ta Life. Donc, c'est l'ouvrage que vous avez signé. Je l'ai mis là. Oui, voilà, on le voit, il est à l'écran. Voilà. Et donc, Boost Ta Life. Oui, comment transformer ta vie en 19 jours. Donc, vous pouvez aller sur mon site, stéphaniecm.fr. Tout minuscule, tout collé, il n'y a pas d'accent. stéphaniecm.fr. Voilà. Parfait, merci. Et je vous invite aussi, excusez-moi, vous en prie. À vous abonner également à mes réseaux, parce que je dispose de beaucoup de conseils. Je peux les citer ou pas, non ? Oui, allez-y. Sur Facebook, sur SoundCloud, sur Instagram, YouTube. Donc, je fais beaucoup de vidéos et de contenu en texte aussi pour vous aider. C'est très, très important. StéphanieCM.fr. Voilà. Parfait. Merci à vous, Stéphanie CM, d'être venue jusqu'à nous. Merci. En plateau, bonne continuation et merci pour vos conseils précieux, hein, qui peuvent aider ceux qui en ont besoin. Nous partons au 05 90 32 80 80, l'actualité en direct toujours dans cette édition spéciale. Patrick Karam est avec nous. Bonjour Patrick Karam. Bonjour. Vice-président démissionnaire du Conseil régional d'Île-de-France, vous aviez donc engagé un recours, un référé donc contre l'ARS d'Île-de-France, donc devant le Conseil d'État, et donc ce référé a été rejeté, c'est ça ? Alors, devant le tribunal administratif, ça vient d'être rejeté. De manière très claire, il y a une décision du Conseil d'État de samedi, et le tribunal administratif s'est appuyé sur cette décision-là. Et a mis en œuvre en fait ce que les attendus de cette décision. De quoi s'agit-il ? Je demandais la mise à disposition pour tous, et pas simplement les professions de santé, de masques protecteurs. Parce qu'après tout, c'est ce qui a permis, dans les pays asiatiques comme Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan, c'est ce qui a permis de limiter la propagation de la pandémie. Eh bien, le tribunal administratif a considéré qu'il y avait suffisamment de masques et qu'il n'y avait pas besoin d'en commander plus. C'est quand même une grosse surprise. C'est d'autant plus une surprise que l'Académie de médecine a clairement recommandé le port de masques pour tous les Français pour lutter contre la pandémie. Et c'est d'autant plus une surprise que le ministre des Affaires étrangères nous informe que les masques arriveront d'ici fin juin. Les 2 milliards de masques que l'État a commandés
les 2 milliards de masques arriveront d'ici fin juin. Ça veut bien dire que nous sommes en pénurie. Et malgré tout, le tribunal administratif a rejeté cette demande de masques. Je demandais également la mise en place de tests de détection en nombre suffisant. Parce que vous savez, c'est quand vous faites ces tests-là que vous voulez savoir si vous êtes malade. Et si vous êtes malade, eh bien vous restez chez vous. Vous êtes confiné, vous prenez plus de précautions, vous n'infectez pas vos proches. Voyez, eh bien, là encore, alors qu'on manque de tests de détection, aujourd'hui, il est impossible de se faire détecter, sauf cas particulier, même lorsque vous avez des symptômes. Eh bien, le tribunal a considéré qu'il y avait suffisamment de tests de détection contre l'évidence. J'ai demandé l'achat massif de respirateurs. Le tribunal a dit qu'il y a suffisamment de respirateurs. Aujourd'hui, tous les jours, dans tous les journaux d'actualité, vous avez des malades, des personnes âgées qui sont dans les EHPAD et qui meurent étouffées, faute de pouvoir aller dans les hôpitaux en réanimation, parce qu'il n'y a pas de place. La vérité, c'est que cette décision du tribunal d'administratif, eh bien, cette décision pose un vrai problème, parce qu'on sacrifie nos vieux dans les EHPAD, et puis quelqu'un qui est âgé, qui soit dans EHPAD ou pas, eh bien, il n'a pas droit à tous les soins pour être guéri, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place. Et puis, j'ai demandé, évidemment, la mise à disposition de tous les traitements possiblement curatifs, dont celui du professeur Raoult. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez l'avoir, impossible de le trouver, nulle part. Eh bien, là encore, ça n'était pas possible. Le tribunal a considéré que tout ça n'était pas... D'abord, il y avait un doute sur ces traitements-là, et puis il y en avait suffisamment. Voilà. Donc, c'est une décision totalement incompréhensible. C'est une décision qui suit la décision du Conseil d'État. C'est une décision qui, en fait, est un déni des réalités. Et je peux vous dire, moi, le problème, c'est que l'UGTG avait obtenu une première victoire avec la décision du tribunal administratif. Eh bien, moi, qui a obligé finalement l'État à bouger et à envoyer un certain nombre de matériel. Le problème, c'est que l'outre-mer est extrêmement exposé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la pandémie va être extrêmement violente et peut-être plus meurtrière parce que, justement, on manque de tout en outre-mer, toutes sortes d'installations, et parce qu'il y a aussi des maladies spécifiques, vous savez, l'obésité, le diabète, qui sont des facteurs aggravants. Eh bien, face à tout ça, rien n'est fait. On se prépare à un cataclysme en outre-mer. Je l'avais déjà dit mercredi dernier sur vos antennes, et je le confirme aujourd'hui. On se prépare aujourd'hui à des lendemains difficiles. On parle de déconfinement. On ne pourra jamais déconfiner tant qu'on n'aura pas des masques pour tous, tant qu'on ne pourra pas avoir de tests de détection. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'État est totalement à la ramasse. L'État est totalement, j'allais dire, à côté de la plaque. Et l'État, pire que ça, empêche les collectivités d'agir. L'État, par exemple, avec les collectivités, leur impose de ne pas commander plus de 5 millions de masques par trimestre. C'est ridicule. 5 millions de masques par trimestre, c'est même pas une demi-journée de la consommation de masques pour l'Île-de-France, si seulement l'Île-de-France, on diffusait pour tous les habitants. Aujourd'hui, je tiens une leçon de cet échec. Et il y a d'ailleurs un article du Figaro qui le dit bien. Les tribunaux administratifs sont là pour couvrir l'État. Ils sont là pour protéger l'État. Ils ne sont pas là pour rendre la justice. Ils ne sont pas là pour servir l'intérêt général. Ils servent uniquement l'intérêt particulier des gouvernants qui aujourd'hui sont au pouvoir. Et ils servent à être des filtres, des verrous. Et ça pose un vrai problème sur la juridiction administrative et l'existence d'une telle juridiction administrative. Peut-être qu'on doit réfléchir aujourd'hui, se servir de cette crise. Peut-être pour se dire que ça, au moins, voilà une institution qui ne marche pas. Quand il s'agit en pleine pandémie de mettre en lumière des responsabilités, eh bien cette institution ne marche pas. Voilà la triste réalité. Moi, je vous dis, j'ai le cœur complètement serré. Je suis écœuré par cette décision, parce que la vérité, c'est que c'est les plus fragiles de nos compatriotes, qui sont en Outre-mer ou ici dans l'Hexagone, qui vont souffrir. Et dans l'Hexagone, ceux qui sont les plus exposés, qui sont les chauffeurs de bus, qui sont les chauffeurs de métro aujourd'hui, qui sont les policiers aujourd'hui, qui sont les infirmières aujourd'hui, beaucoup de compatriotes d'Outre-mer, ils sont les premiers à être en première ligne, les premiers à subir le Covid. Et là encore, on expose les Français d'Outre-mer, et ça n'est pas...
Ça n'est pas acceptable. Aujourd'hui, nous sommes face à des décisions qui, pour moi, est incompréhensible. Et la seule leçon que je retire de ça, c'est qu'il faut que les collectivités se battent, il faut que les collectivités se mobilisent aujourd'hui. Le seul salut, c'est les collectivités. Il faut travailler parce que ce n'est pas l'État qui va nous aider. Donc, il y a cette décision du tribunal administratif donc, qui ne vous est pas favorable. Et vous allez vous en tenir là, Patrick Karam, ou pas ? Alors, le vrai sujet, c'est l'appel. C'est le seul sujet, est-ce qu'on fait appel ou pas ? Et avec mon avocat, nous avons discuté de cette possibilité, mais vu que le Conseil d'État a déjà statué samedi dernier, il ne va pas se déjuger quelques jours après. Donc malheureusement, on n'a plus de voie de recours. L'appel sera rejeté comme le tribunal administratif a rejeté notre référé. L'appel rejettera notre référé. Et vraiment, je vous dis, c'est une situation invraisemblable aujourd'hui où les défaillances de l'État, ces défaillances-là ne puissent pas être constatées par un tribunal et que ce tribunal ne puisse pas ordonner à l'État de faire. Oui. Reste donc l'action politique et en sortie de crise, peut-être d'autres voies. Il reste deux actions, effectivement. La première, celle que je vais utiliser là, c'est celle que tous les élus doivent utiliser, c'est de protéger nos populations, donc d'être sur le terrain. Moi, samedi, j'ai emmené des masques sur 11 communes d'Île-de-France. Je continue avec mes réseaux de faire venir des masques. Eh bien, je continuerai à travailler pour faire en sorte que nous puissions, sur la question essentielle de protection de nos populations, nous engager à fond. Et puis il y a l'autre partie. Moi, c'est une autre partie qui va arriver juste après la séquence. C'est une autre partie qui va arriver juste après l'épidémie de Covid. Ça va être de demander des comptes, de mettre en lumière des responsabilités. Et là, ce seront des procédures judiciaires extrêmement longues. Et il y a déjà des procédures qui sont engagées. Je pense à celle des médecins qu'un de mes amis qui est conseiller régional et qui est médecin, Ludovic Thoreau, a engagé avec 3 autres médecins et 800 autres qui les ont rejoints. Je pense aussi à celle des infirmiers, etc. Là, il y a la question de la responsabilité. Le gouvernement actuel ne va pas y couper. Il ne va pas y couper, y compris dans sa gestion de l'épidémie en Outre-mer. Très bien. Justement, vous suivez la manière dont les choses se passent en Outre-mer. On aimerait vous entendre s'agissant... Je vous entends plus. Oui, on vous entend, nous. On vous entend. Vous suivez les choses dans les Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe. Le préfet a pris un arrêté qui restreint la liberté de circuler, d'aller et venir et de commerce pour le week-end pascal en Guadeloupe. Que pensez-vous de ça ? Malheureusement, le vrai sujet, c'est que on est obligé de faire du confinement au maximum. On est obligé de restreindre, par exemple, le sport. Aujourd'hui, on le voit dans toute l'île de France et dans un certain nombre de départements. Avant 10h du matin et après 19h, on prend des arrêtés restrictifs pour des marchés, pour des commerces. On le fait tout simplement parce qu'on n'a pas de masque. Et on n'a pas de masque parce que l'État n'a pas commandé des masques. Voilà, la réalité est là. L'État nous a dit que depuis janvier, il se prépare. Et depuis janvier, il prépare la commande de masques. Et les masques ne sont pas là. Et on nous annonce des masques qui arriveraient fin juin. Donc, pendant toute cette période-là, malheureusement, la seule façon de se protéger, c'est, hélas, de rester chez soi et d'observer des distances de sécurité. J'ajoute qu'il faut se faire soi-même, si on peut, des masques personnels. Pourquoi ? Parce que le virus ne se propage pas simplement par les postillons. Malheureusement, une étude américaine qui est en train d'être confirmée pour faire l'objet d'une publication dans une grande revue scientifique, mais c'est une étude qui complète, qui va dans le même sens qu'une étude anglaise. Une étude américaine dit que les aérosols diffusent la pandémie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les aérosols, vous savez, c'est des micro-gousselettes mille fois plus petites, invisibles à l'œil nu, mille fois plus petites que la salive, les postillons, et qui peuvent être en suspension dans l'air. Ça veut dire que quand vous courez, par exemple, eh bien, vous pouvez attraper le coronavirus parce
parce que vous avez ces gouttelettes qui sont dans l'air et qui prennent du temps à se poser. Et c'est ça tout le drame. Si jamais cette théorie se révèle exacte, eh bien, le fait de ne pas nous avoir donné de masque va se révéler être un véritable, plus qu'un scandale d'État, presque un crime d'État. Très bien, merci. Merci à vous, Patrick Karam, pour cette réaction en direct à la décision du tribunal administratif de Paris, donc qui vous est défavorable dans votre bras de fer, donc avec l'ARS d'Île-de-France. Merci à vous. Merci, Kembéret à la Guadeloupe. Merci, Kembéret aussi, des côtés Azote. Nous poursuivons, nous avons en plateau Jocelyn Italic, le président de l'Ordre des experts comptables de la Guadeloupe. Merci d'être là, merci d'être venu jusqu'à nous. On vous a eu au téléphone il y a quelques jours et donc vous êtes revenu nous voir pour vous mettre à la disposition des chefs d'entreprise qui le souhaitent. Donc dans la situation que nous connaissons actuellement, l'entreprise, au sens générique du terme, qui doit faire face à cette crise inédite, l'entreprise guadeloupéenne aussi, plus fragile sans doute que certaines autres, et ces entreprises, vous les accompagnez en tant qu'expert comptable, puisque vous êtes un partenaire privilégié du monde de l'entreprise, et donc vous êtes là pour à la disposition des décideurs pour les aider à prendre les bonnes décisions. Comment ça se passe depuis que vous avez mis en place avant-hier cette cellule, ce numéro, donc pour accompagner les chefs d'entreprise? Oui, d'abord, merci de nous recevoir. Vous savez, comme moi, vous avez bien résumé que la situation est relativement tendue du point de vue des chefs d'entreprise. En tout cas, notre profession est mobilisée sous le sujet. Les 170 confrères, les 500 collaborateurs de notre profession sont vraiment mobilisés sous le sujet. Je peux vous dire que c'est pas l'heure aujourd'hui d'établir les comptes annuels, même si nous en avons la volonté. Concernant donc la situation des entreprises, elle est catastrophique. J'imagine que vous avez tous les jours au fil donc les chefs d'entreprise. Ou d'abord, vous avez un rôle pédagogue et quelque part psychologique pour éviter que les choses s'effondrent. Vous avez surtout certaines situations qui sont vécues difficilement. Moi, j'ai eu des chefs d'entreprise qui me disent « j'ai l'impression de rêver ». Depuis le 16 mars, je me réveille. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Je me réveille tous les matins. Je me dis « maintenant, c'est un rêve, ça va s'arrêter, quoi ». Il y en a d'autres qui ont énormément investi et puis qui ont plus de trésorerie et qui n'ont pas forcément la bonne écoute du point de vue des banques. Donc c'est aussi notre rôle aussi d'être psychologiquement à côté d'eux pour trouver les voies et moyens pour qu'ils puissent en sortir. Donc, de toute façon, moi, la parole, elle est unique, elle est uniforme. Prenez toutes les aides qui sont disponibles pour pouvoir faire face à la situation. C'est ma parole. Oui, c'est le conseil que vous donnez. Le gouvernement a mis en place des choses. Alors, même si on peut avoir quelques doutes sur les délais de mise en œuvre, mais il faut y aller, quoi. Voilà, il faut vraiment y aller. Alors, bon, le problème, c'est que nous n'accompagnons pas toutes les entreprises, un peu moins de la moitié sur le territoire, mais il faut être conscient que il y a des choses qui existent. Je prends l'exemple du fonds de secours là, pour les dirigeants à deux niveaux, ou même le crédit trésorerie, ou même la possibilité de rembourser automatiquement de ces crédits d'impôt. Il faut vraiment utiliser tous les leviers qui existent pour pouvoir essayer de rester à la tête hors de l'eau. Oui. Donc cette inquiétude, elle est là, elle est manifeste et elle est de plus en plus prégnante. Quatrième semaine de confinement et en plus on ne voit pas le bout. Les tailles d'entreprise sont concernées. J'ai eu au fil un dirigeant, avant la crise, qui avait 2 millions de trésorerie. À la fin du mois, il n'aura plus rien. Vous comprenez ? Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que le crédit bancaire, c'est une chose au niveau de l'économie, mais le crédit inter-entreprise, c'est tout aussi important. Les entreprises se prêtent entre elles. On achète, on paye après, etc. Et ça, si vous cassez cette chaîne, vous avez un château de cartes qui s'effondre. Oui. Toutes les entreprises qui sont derrière s'effondrent. Donc le discours aussi, c'est de dire à minima, tant que faire se peut, payer les entreprises avec qui vous êtes en contrat. Le tout, c'est d'éviter la crise de liquidité. Ça serait la pire des choses. C'est exact. Alors, a priori, dans la volonté généreuse du gouvernement qui ne mérite qu'à être vérifiée dans les faits, on a ce prêt garanti par l'État. C'est pas une dépense, c'est une garantie. Donc, on n'est pas encore à des niveaux qu'on pourrait supposer de dépenses publiques de 300 millions d'euros. C'est une garantie. Parce que ce prêt garanti par l'État, les banques jouent le jeu.
en franchise. Hein. Je veux dire, la situation qu'on a inédite mérite d'avoir des repères différents par rapport à ce qu'on a connu historiquement du point de vue bancaire aussi. Donc, nous sommes vigilants là-dessus, nous, en tant que profession d'expert comptable, pour que nous puissions tirer la sonnette d'alarme dès lors qu'on aurait des faisceaux de retour qui nous indiqueraient que les banques ne jouent pas le jeu. Oui. Pour l'instant, vous n'avez pas ce genre de retour ou c'est, on commence à en avoir. Non, on commence à en avoir, on va être franc, on commence à en avoir. On commence à avoir les situations. Ouais, on commence à avoir des situations où peut-être que l'information n'est pas passée au niveau de la hiérarchie bancaire, où on a en face soit un conseiller qui demande un prêt de trésorerie, alors qu'on connaît l'établissement depuis un certain nombre d'années, on sait qu'elle est en situation bénéficiaire et que la crise n'a accéléré, si vous voulez, qu'une situation de difficulté de trésorerie. Il faut bien comprendre que cette trésorerie permettra quoi ? Elle permettra juste de payer les salaires. Je rappelle que le dispositif activité partielle, vous avez l'obligation de payer les salaires. Et également de repartir, puisque quand vous avez zéro rentrée d'argent, je veux dire, fin de la discussion, vous ne pouvez pas repartir. Ouais. Et le gros souci, c'est ça, c'est la trésorerie. Ah bah, c'est, je veux dire, c'est le nerf de la guerre. Pas c'est de trésorerie. Pas d'activité, pas de trésorerie, et vous continuez à avoir vos charges qui tombent. Alors il y a des dispositifs qui ont été aménagés, notamment pour les loyers entre professionnels, etc. Mais ça ne reste que des dispositifs. Oui. Et donc, vous, que conseillez-vous à tous ces chefs d'entreprise qui vous contactent? Bon, évidemment, il y a l'écoute, mais il faut décider, il faut parfois prendre des décisions difficiles. J'ai même se préparer au pire, dans certains cas. Toute la situation de l'entreprise doit être remise à plat. Et reconsidérer tout ce qu'on pouvait avoir par ailleurs. Moi, je vous avoue qu'il y a des discussions qui sont en train de s'amorcer sur du licenciement, sur du plan social. Dernières embauches, l'effectif supplémentaire, demain on ne sait pas où est-ce que sera notre point mort et notre bénéfice. Donc on entame des discussions pour pouvoir faire des licenciements. Il y a d'autres entreprises qui sont peut-être plus optimistes, qui profitent pour faire du temps partiel. On a d'autres qui font des congés. Ouais. Je ne peux pas donner, si vous voulez, une directive uniforme. Ce que je dirais simplement, c'est dans votre situation, quelle qu'elle soit, mettez tout à plat et prenez tous les dispositifs d'aide qui puissent exister. Oui. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les comptes annuels, ça attendra. Oui. Non, là, on est vraiment dans l'urgence. On est aux côtés du chef d'entreprise. Première urgence, c'est d'abord établir les salaires, vous savez. Donc, comment ça s'est passé fin mars ? Compliqué parce qu'on a reçu les derniers ajustements très tardivement, donc les éditeurs avec qui nous travaillons ont mis à jour les systèmes relativement tardivement autour de la fin du mois, donc on a réussi à débloquer une situation et à sortir les salaires. Vous savez très bien que si vous bénéficiez du dispositif d'activité partielle, vous devez avoir une cohérence avec les salaires que vous établissez en termes d'absence et de calcul des cotisations sociales. Non, le mois de mars a été compliqué. Oui. Et le mois d'avril, vous appréhendez hein. Ah bah, là, on est sur des entreprises qui demandent des dispositifs d'activité partielle pour 6 mois, voire septembre, voire décembre, si vous voulez. Donc on est vraiment sur des schémas où on n'a pas la sortie aujourd'hui. Et donc, oui, ça va se reproduire. Ouais. Vous nous disiez il y a quelques jours que le taux de casse risque d'être très important à la sortie. Évident, c'est évident. Je veux dire, vous avez une situation, vous êtes sur un marché tendu, vous n'êtes pas parmi les premiers, vous revenez peut-être de difficultés liées à des régimes, des abandons de clients ou de carnets de commandes, etc. Bon, vous êtes dans une situation aujourd'hui, excusez-moi, pratiquement sans issue. On va avoir automatiquement derrière des procédures collectives, sauvegarde, redressement judiciaire, voire liquidation, clairement. Ouais, il ne faudra pas hésiter. Procédure de sauvegarde, ça dans peut certaines être aussi... Exactement, vous l'avez dit, dans certaines situations, je veux dire, le condit, l'honnêteté de tout professionnel qui vient à dire « moi, je veux payer mes dettes et je veux aller jusqu'au bout de ce que je peux », il mérite d'être vu, reconsidéré, si vous voulez, devant une telle situation. Peut-être qu'un plan de redressement judiciaire, et c'est peut-être la meilleure des solutions pour recalmer tout ça et repartir sur un plan de continuation. Il y a des décisions de gestion qui s'imposeront. Oui, voilà. Et ça relève de la décision de gestion. C'est pas une faute de l'entrepreneur. C'est une situation qui appelle cela. Oui, pour autant, les tribunaux sont fermés. Mais il faut avancer sur cette idée-là. Et nous aussi, en conscience, avec les chefs d'entreprise, on essaye de voir si c'est pas la solution ultime.
ultime, mais parfois nécessaire. Avec la CGSS, les services fiscaux, les choses se passent comment ? Nous avons eu un dispositif de report des charges du point de vue donc, des cotisations sociales. Comme vous le savez, donc, nous sommes sur un territoire où on a des allègements relativement importants au niveau de l'emploi. Et donc, automatiquement, la sécurité sociale a accepté le principe donc, de ne pas payer donc, les reversements de cotisations que collectait l'employeur au mois de mars. Aujourd'hui, on n'a pas d'instruction concernant avril. On suppose qu'on s'orientera vers la même situation. Mais un report des charges n'est pas une extinction des charges. Ah oui. On est d'accord ? Donc, il y aura le temps aussi de l'analyse et de la prospection pour dire ces mesures probablement seront insuffisantes si on ne les abandonne pas en partie ou en totalité. Concernant donc, l'administration fiscale, donc tout ce qui concerne donc, la collecte de l'impôt, on a un report pour ce qui concerne l'IS, la taxe sur les salaires. Mais on n'a pas le report pour ce qui concerne la TVA. Ah oui. Donc, non, on n'a pas le report pour ce qui concerne la TVA. Au ministère et le gouvernement a tendance à dire que la TVA, au fond, l'entreprise n'est qu'un collecteur et donc il n'a pas de raison qu'il ne reverse pas la subside qu'il a collectée pour le compte de l'État. À ça, nous avançons l'idée que quand on est en situation de difficulté, si on n'a pas l'argent, on ne peut pas payer, si vous voulez. Donc, c'est toujours pareil, c'est notre réseau. Toujours pareil. Donc, il faut maintenir ce dialogue avec les centres d'impôt des entreprises pour qu'ils soient informés de cette situation. En gros, ce que j'ai pu lire entre les lignes, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de situation d'aubaine, si vous voulez, de situation où certaines personnes qui auraient les possibilités de pouvoir repayer cette taxe ne le fassent pas. Ce comportement citoyen, cette vertu, si vous voulez, à payer l'impôt, qu'elle ne parte pas en dérive. Ouais. Et donc, on peut demander un étalement éventuellement. Ouais. Je pense que la discussion amènera de toute façon une situation si elle est avérée. C'est les situations qui ne sont pas avérées qui poseront problème. Si la situation elle est avérée, il y aura des possibilités. Ouais. Le moral des chefs d'entreprise au plus bas. Exactement, vous avez dû en recevoir, vous en recevez tous les jours, vous avez des contacts, j'imagine. On est sur. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, que je veux dire ici, hein, une entreprise qui ont 100, 200, 300 salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise, des groupes structurés ou pas, la petite entreprise individuelle qui travaille dans le bâtiment, toutes les entreprises sont touchées. Donc, le demain, la question du demain est aujourd'hui fondamentale. Oui, c'est important de le signaler. C'est vrai que, quelle que soit la taille, les entreprises qui sont potentiellement plus armées, mieux armées pour faire face à des situations complexes, mais même elles, à un moment donné, sont face au mur. La meilleure des situations, c'est que, par exemple, un tiers mette le chiffre d'affaires dans la caisse de l'entreprise. Mmh. Et d'accord, ça ne se fera pas. Parce que le principe de l'économie, justement, c'est la libre circulation et la possibilité de pouvoir acheter et vendre. Donc si cette possibilité ne se fait pas, vous êtes en face d'une situation inédite. C'est-à-dire que vous avez monté une affaire avec un modèle économique pour que ça vous rapporte de la valeur sur laquelle vous allez pouvoir vivre et faire bénéficier à des salariés donc de revenus, et vous n'avez plus de rentrée. Vous êtes, j'imagine, en relation avec vos confrères des Antilles-Guyane. On sait qu'il y a un beau maillage donc, au niveau des ordres d'experts comptables de nos DFA. Qu'est-ce qui remonte des autres départements ? C'est la même situation, peut-être un petit peu plus compliquée. La situation, elle est la même. Hein. Elle est la même sur tous les territoires. Blocage de l'économie, donc fermeture des entreprises avec limitation des déplacements. On est sur les mêmes schémas. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de revendications qui montent du point de vue de la profession, comme celle, par exemple, de reporter donc, les délais de déclaration. Comme vous le savez, on les a reportés au 31 mai, ce qui est vraiment de vous à moi un peu, c'est quand même un peu scandaleux, puisqu'on passe. On n'a que 10 jours de délai. Nous avons porté donc l'idée de reporter les déclarations 2019 au mois de juillet, au 15 juillet 2020, et y compris les déclarations d'impôt sur le revenu, parce que les choses suivent. Donc nous sommes aujourd'hui, sur le point de vue donc, déclaratif, sur des revendications. Et ça, c'est pour tous les départements d'outre-mer. Je ne parlerai pas pour mes homologues, mais je sais qu'on est toujours sur le même schéma. Très bien.
Eh bien, c'est très, très important de rappeler également les dispositifs, les principales mesures qui sont prévues. Vous suggérez aux entreprises d'y avoir recours sans hésitation, si on peut les rappeler. Vous avez trois volets. Vous avez un volet report des charges. Donc, quand on dit report des charges, donc on a des charges sociales. Donc, il s'agit des cotisations sociales qui intéressent donc les entreprises qui ont des salariés, mais pas que, également les indépendants qui ont des cotisations sociales, qui payent des cotisations sociales d'assurance, maladie, vieillesse et complémentaire. Donc, on a un mécanisme de report de ces charges sans pénalité. Le deuxième, toujours dans l'aspect report des charges, on a les reports des charges fiscales. Au niveau des reports des charges fiscales, on a donc l'impôt société qui est reporté, et on a donc la taxe sur les salaires qui est reportée également. Et on a également invité ceux qui ne le peuvent pas et qui sont en prélèvement à différer les prélèvements pour qui concernent donc la cotisation foncière des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc ce dispositif également de report. On est sur un gros dispositif de report, de décalage de ces charges. Quasiment, on va dire, de manière automatique. Ensuite, on a le volet donc, qui concerne donc, l'annulation de ces charges, la réduction de ces charges. Ce n'est pas un volet automatique, mais il peut être, dans certaines circonstances, actionné. Dans l'incapacité de pouvoir payer vos charges, j'ai encore une discussion récemment avec le directeur des finances publiques, on a la possibilité de solliciter un co-chef, si on relève du co-chef, on a la possibilité de pouvoir donc, solliciter donc, le service dont vous dépendez pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut faire un abandon de ces charges. Parce qu'il y a les charges qui sont liées donc, au dispositif Covid et les charges qui sont antérieures au dispositif Covid. Après, on a un dispositif qui est un dispositif de financement. J'ai oublié de parler du dispositif d'activité partielle quand même. Dans le dispositif de, ça reste dans le dispositif de financement. Dans le dispositif de financement, on a le dispositif d'activité partielle. Vous faites une demande donc sur le site du site de l'État, activité partielle, où vous avez donc la possibilité, si vous employez du monde et que vous ne pouvez pas le faire travailler, de pouvoir donc déclarer ces personnes en activité partielle à 100% ou à prorata de ce que vous pouvez leur faire faire. Et sous réserve, bien évidemment, qu'on essaie de résoudre toutes les difficultés techniques qui sont liées donc à l'utilisation de ce site, parce que ce site a été submergé et à plusieurs reprises, on a eu des bugs qui sont revenus au niveau informatique. Sous réserve, donc, évidemment, que ces difficultés s'apurent, vous avez la possibilité donc, de déclarer ces salariés en activité partielle. Et à ce moment-là, sous 10 jours, vous allez donc recevoir le remboursement de l'État sur le net à payer. Des salaires que vous avez compensés, vous avez payés pour le travail qui n'a pas été effectué. Donc ça, dans un délai de 10 jours, c'est sûr. Globalement, dans un délai de 10 jours. Il y a même une nouveauté qui est apportée par le gouvernement depuis une quinzaine de jours, c'est que si vous n'avez pas de réponse et que vous avez été, bien évidemment, accepté, votre dossier a été accepté, vous avez un numéro de dépôt, si vous n'avez pas de réponse sous 48 heures, cette déclaration est supposée être acceptée, ce qui n'exclut pas les contrôles postérieurs. Mais cette déclaration est supposée être acceptée, ça vous conforte dans l'idée que vous allez percevoir le remboursement donc, des salaires que vous avez versés. Oui, en attendant, l'entreprise doit avancer les salaires. Oui, elle doit avancer les salaires. Si elle et même à 10 jours, l'impact sur la trésorerie, il est là. Alors moi, ce que j'invite les situations où vous ne pouvez pas avancer les salaires, c'est de vous rapprocher de votre banquier. Ouais. Parce que de toute façon, l'activité partielle sera virée sous votre compte, sous 10 jours. Ouais. Et à ce moment-là, l'avance de trésorerie qui sera faite pourra vous être remboursée. Je crois que l'oreille est à l'écoute sur ce type de situation. Je crois que l'oreille est à l'écoute sur ce type de situation. Ensuite, en matière de financement, vous avez le dispositif donc, de prêt garanti par l'État. Vous faites l'objet donc, d'une réduction, diminution de votre activité. Vous pouvez solliciter votre banque de manière à ce qu'elle vous accorde une trésorerie qui peut aller jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires annuel, un quart de votre chiffre d'affaires annuel. Et à ce moment-là, la banque va mettre en place un financement pour pouvoir couvrir ce déficit de trésorerie. Ça présente intérêt que la garantie de l'État, elle est amenée à hauteur de 90% sur ce prêt que va vous accorder la banque. Et vous avez une absence totale de remboursement de ce prêt avant le 1er janvier 2021. Donc vous avez la trésorerie, vous avez la garantie de l'État qui est en place, qui va peut-être conforter la banque à continuer à vous suivre, si vous voulez, et vous avez une absence de remboursement du prêt jusqu'au 31 décembre 2020. Il faut montrer, il faut être clean, quoi.
il faut avoir des bons arguments. Ouais. Je vois mal quand vous avez une situation chronique déficitaire, vous avez manifestement des critères, si vous voulez, de solvabilité qui ne sont pas en place. Mmh. Comment la banque va suivre ? Parce que la subtilité du dispositif, c'est que la banque, la BPI, là, qui est donc l'organisme bancaire qui va vous garantir, dit « mais nous, on ne fait pas d'études de dossier. L'étude de dossier, c'est à la banque de le faire. Mmh. Donc les critères de solvabilité, c'est à la banque de l'étudier. » Et d'un autre côté, vous avez également ce qui relève du non-dit, qui est de dire « messieurs le banquier, prenez aussi vos responsabilités. » Ça veut dire qu'il y ait une lecture différente par rapport à la situation que vous avez pu connaître par le passé. Très bien. Vous restez avec nous, Jocelyn Italique, président de l'Ordre des experts comptables de la Guadeloupe. Vous êtes notre invité fil rouge jusqu'à la fin de cette édition spéciale. Nous venons de recevoir le point de situation coronavirus donc de l'ARS et de la préfecture. Point de situation au 8 avril 2020 en Guadeloupe. Ce mercredi 8 avril, la Guadeloupe compte 141 cas confirmés de coronavirus, avec donc deux nouveaux cas par rapport à hier. Parmi ces cas confirmés, 17 patients sont hospitalisés au CHU, 13 en réanimation, 4 en médecine, 2 patients au CHBT et 2 au centre hospitalier de Marie-Galante aujourd'hui. 43 personnes au total sont déclarées guéries selon l'ARS, déclarées guéries par les infectiologues. En Guadeloupe, les cas confirmés de Covid-19 sont majoritairement âgés entre 15 et 64 ans, ça ne bouge pas par rapport à hier. La part des cas âgés de 75 ans reste stable et représente environ 16% des cas. Répartition des cas confirmés selon le sexe, en Guadeloupe, 74 femmes et 67 hommes. Donc je vous rappelle l'information donc de ce dernier point de situation Covid-19 pour la Guadeloupe à la date du 8 avril, donc aujourd'hui. 141 cas confirmés, 2 de plus qu'hier et pas de décès aujourd'hui officiellement à signaler. Voilà ce que nous pouvons dire concernant ce point de situation que nous recevons chaque jour. Nous avons en ligne actuellement Jean-Marie Gobardan de Caraïbes Melonier. Bonjour Monsieur Gobardan. Oui, bonjour. Vous bonjour. Nous entendez, bienvenue sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe. Les meloniers sont comme bien d'autres activités face à une crise inédite qui perturbe, qui bouscule et qui, j'allais dire, fragilise. Et vous ne faites pas exception à la règle. Il se trouve que cette période est justement une période où, normalement, c'est là où vous faites le gros de votre activité. Alors, comment vous gérez ça ? Alors, bonjour à tout le monde. Vous avez raison, M. Vendéry. La situation, elle est inédite. En plein de points, elle est compliquée. Elle nous met dans une position très inconfortable. Parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi penser. Chaque jour, on voit que les positions initiales de la décision publique qui a été énoncée par le chef de l'État au départ, aujourd'hui, on ne sait pas comment elle va tenir, on ne sait pas si elle va tenir longtemps, on ne sait pas, on se pose plein de questions. On ne sait pas comment les banques vont percevoir la chose. Moi, je retiens une chose, c'est qu'au départ, le chef de l'État a dit, ne comptez pas, l'État va payer. En gros, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, on n'a pas besoin directement d'avoir l'argent public. Ce dont on a besoin, c'est que nous puissions mettre en valeur le fruit de notre travail. Bon, ça, on ne l'a pas parce que la situation mondiale aujourd'hui impose le confinement, impose des précautions, impose une réglementation stricte sur les dessertes aériennes qui font qu'on ne peut pas sortir d'ici notre melon, l'amener dans l'Hexagone et en Europe pour qu'il soit vendu et pour que nous puissions espérer une quelconque rémunération. Alors la situation est terriblement difficile. Nous avons entre 2300 et 2800 tonnes de melon avec lequel nous ne savons pas où nous positionner, nous ne savons pas quoi faire de ce melon-là. Le marché guadeloupéen ne peut pas absorber une telle quantité.
nous arrivons à vendre grosso modo entre 500 et 600 tonnes ici. Mais le reste, c'est fini. On est à la période de Pâques, une période festive en Europe, où nous faisons près de 70% de notre chiffre d'affaires. Ça arrive au mauvais moment. Aujourd'hui, on voit que l'Europe est en train de dire non, nous ne voulons pas mutualiser notre dette. Il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles en Europe. Donc, on ne peut pas mettre les mêmes les torchons avec des serviettes. Vulgairement, on peut résumer ça comme ça. Donc, les professionnels d'Europe, en général, je parle en général, les professionnels d'Europe aujourd'hui, qui ont fait des sacrifices dans leur activité professionnelle pour espérer bénéficier de quelque chose, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, aujourd'hui, on est dubitatif devant cette situation-là. Entre 2300 et 2800 tonnes de melon qui nous restent sur les bras. Donc, la région Guadeloupe nous a donné une goutte d'eau alors qu'on est sur le bord de la route en train de mourir de soif, mais on dira mille fois merci à la région, parce que ça nous permettra de ne pas mourir le ventre vide. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas mourir, mais vous ne mourrez pas le ventre vide. La goutte d'eau va vous mettre quelque chose dans le ventre avant de mourir. Mais la situation, elle est complexe et elle est stressante. Elle est difficilement gérable. On peut gérer difficilement la situation parce que les choses changent. Le discours des institutionnels change tous les jours. Elle est instable, elle est remise en question, etc. Donc le professionnel là-dedans, il ne s'y retrouve pas. Voilà. Et cette crise arrive vraiment au pire des moments pour vous, parce que c'est le pic de votre activité, hein. Et le manque à gagner, c'est vraiment entre 10 et 15 millions, là, directement. Ouais, ça peut. On évalue comme ça, pour ne pas se compliquer la vie facilement. Ça peut être beaucoup plus que ça. Parce qu'une année comme celle-là, où vous avez des températures comme vous les avez ici, vous savez qu'en français, à Paris, en Europe, il fait chaud en ce moment. Mais la consommation explose. Plus la consommation sera demandeur, plus le prix sera à la hauteur. Donc, nous, on évalue par rapport à ce qu'on connaît de l'année dernière, de l'année d'avant, etc., etc. Mais comme vous disiez au début, la situation tombe au pire des moments de notre saison, mais aussi au pire des moments de notre existence. Caraïbes Melonniers, c'est depuis le début des années 80, 82, 83, ça a commencé. Aujourd'hui, ça fait entre 12 et 13 ans, dans notre activité, nous collectionnons des pertes. Après la saison, quand on fait des comptes, on se rend compte qu'on n'a rien gagné. Ça fait entre 12 et 13 ans que c'est comme ça. Donc, quand vous avez une entreprise qui, chaque année, chaque saison, collectionne des pertes, donc elle a une certaine fragilité. Elle continue à exister parce que socialement, économiquement, d'un point de vue sociétal, il faut que vous participiez à un certain équilibre, du tout en Guadeloupe. Cet équilibre-là, nous y participons à bout de souffle. Donc, quand une situation comme la situation du coronavirus vient à vous frapper alors que vous êtes déjà fragile, parce que les situations de 12 et 13 ans dans l'histoire ou dans le passé continuaient à vous fragiliser, eh bien, il faut pas beaucoup pour que vous puissiez mourir. Et c'est ça aujourd'hui. La situation, elle est celle-là aujourd'hui. Donc, on se dit que c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Et la situation est tellement difficile et elle est tellement désemparante que nous, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi penser. Et on ne peut pas se permettre d'avoir de perspective. Simplement, énormément de gens nous disent « Ah ouais, mais appelez à la consommation locale. » Les consommateurs guadeloupéens sont extraordinaires. Ce sont les meilleurs consommateurs de la terre. Ils essayent, chaque personne essaye d'acheter un peu de melon à Caraïbes Melonniers.
essaye de nous faire vendre quelques melons. Mais la situation, on la connaît. Vous ne pouvez pas vendre le melon au consommateur guadeloupéen tel que vous l'aurez vendu au consommateur métropolitain ou alors au consommateur français. C'est pas la même chose, c'est pas le même marché, c'est pas le même comportement, c'est pas la même habitude de consommation, vous n'êtes pas dans le même contexte. Donc vous êtes obligé d'adapter votre prix en fonction du milieu dans lequel vous êtes. Oui, donc vous êtes obligé de, voilà, vous nous dites que en fait vous pouvez pas vendre trop cher, sinon ça sera pas compris. Absolument. Il faut que vous puissiez vendre le melon, faire que le melon soit à la portée d'un plus grand nombre, étant donné que quand vous faites entre 2300 et 2800 tonnes de melon, vous savez bien, c'est à l'adresse de marché de 65-67 millions de consommateurs, à l'adresse du marché français et plus généralement européen. Mais pas à l'adresse d'ici. Ici, les gens sont extraordinaires, je le redis et je les remercie. Je remercie aussi notre personnel qui nous soutient, le peu de gens qui continuent à venir travailler et les autres qui ne viennent pas travailler. Vous ne pouvez pas leur tenir grief, vous ne pouvez pas les en vouloir. Ils sont en train de prendre des dispositions pour se protéger, pour protéger la vie de leurs proches et de leurs familles. Donc, on est contraint à faire avec le peu de main-d'œuvre que nous avons, que ce soit dans les champs ou que ce soit la station de conditionnement, et nous sommes contraints de faire avec les dispositions réglementaires qui dit qu'il n'y a pas d'avion pour le fret, qui dit que les gens ne peuvent pas se balader et aller faire des courses, acheter du melon et acheter autre chose comme ils le veulent. Donc, on est dans une situation, comme je vous disais, qui, pour nous, en tout cas, c'est une situation qui est complexe parce que c'est la première fois qu'on est confronté à ça. Cela étant, depuis que l'on existe, c'est la première fois, en tout cas, on peut les compter sous les doigts d'une main, les saisons où on a un melon d'aussi grande qualité. Donc c'est frustrant de savoir que vous avez, un agriculteur fait énormément de sacrifices sur la saison pour avoir un fruit de grande qualité à l'adresse de consommateurs qui veulent des produits de grande qualité, et vous comprenez que vous ne pouvez pas le mettre en valeur, vous ne pouvez pas le commercialiser, le distribuer, mais cela est terriblement frustrant. Nous avons un melon de grande qualité que nous ne pouvons pas vendre et donc qui ne peut pas générer de revenus pour l'agriculteur. Et à l'échelle de la Guadeloupe, cela est dramatique. Alors quelqu'un va dire 2800, 2300 tonnes, c'est rien. Mais je sais bien que c'est rien. Parce qu'on voit un pays comme le Maroc, ou alors comme le Sénégal, ou comme la République dominicaine, ou alors comme le Brésil, ou comme l'Israël. Tous ces pays-là, ils envoient du melon en France et en Europe. Ce sont des concurrents à nous. Cette production de 2300 à 2800 tonnes que je vous dis, eux, ils le font en une semaine. En une semaine, M. Fendéré, ces gens-là font cette production-là. La Guadeloupe fait cette production-là, destiné à être vendu à l'extérieur en espérant avoir une rémunération à la hauteur, en une année, en une saison, nous faisons ça. Donc, ce n'est pas les mêmes échelles et on n'a pas, les mêmes perceptions des choses par rapport à là où on est placé. En tout cas, si des structures comme la nôtre, composées à 100% d'agriculteurs, d'exploitants agricoles guadeloupéens, si des structures comme la nôtre n'étaient pas victimes de fragilité comme elle est victime là actuellement, elle aurait pu, dans une certaine mesure, résister à cette crise-là. Là, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on pourra résister, faire face, tenir encore debout, ne pas mourir après la crise? Je crois comprendre aujourd'hui, à la date où on est aujourd'hui, que la situation, elle est décourageante, désespérante pour la totalité des agriculteurs de Paris-Maloïc. Cette crise, donc, Jean-Marie Gobardan, pourrait être, à vous entendre, fatale à la filière melon en Guadeloupe. On peut aller jusque-là? C'est bien cela qu'on le craint. C'est bien ce que nous craignons, parce que nous craignons ça, parce que nous voyons
l'attitude, le comportement des agriculteurs de Paraïbe-Meloyer face à cette crise-là, où tous les jours, ils viennent, les producteurs viennent à Paraïbe-Meloyer pour dire « Ah oui, mais j'ai entendu ça de la part de l'État, j'ai entendu ça de la part de l'Europe, j'ai entendu ça de la part de la région, j'ai entendu ça de la part de la DAF, j'ai entendu ça de la part de la Chambre d'agriculture. » Donc, à quoi ils peuvent, sur quel pied ils peuvent danser? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison identifiée qui puisse donner de l'espoir, de l'espérance, du courage à l'agriculteur, au paysan, à celui qui se lève tous les jours à 4h du matin et qui est dans son champ et qui quitte le champ aux alentours de 18-19h. Bon, c'est les gens m'entendent parler et voient un agriculteur se mouvoir dans le paysage sans savoir obligatoirement les sacrifices que cet individu-là peut faire, que ce soit un agriculteur qui fait du melon ou autre chose, hein, ceux qui font de la banane ou alors qui font de l'élevage ou qui font des productions maraîchères, des fruits et légumes de manière générale, se livrent aux sacrifices quotidiens pour nourrir leur famille et puis pouvoir continuer à exister dans une société où les incertitudes ne font que rythmer leur quotidien. On est certain de rien. On est certain de rien. Donc quand vous n'êtes certain de rien et vous n'avez aucune visibilité, vous ne savez pas quoi décider, quoi dire, quoi penser, quoi faire. Et ça, il n'y a rien de tel pour miner l'existence d'un professionnel qui chaque matin regarde le ciel et se dit « j'espère qu'il va faire beau, j'espère qu'il va faire du soleil pour que la consommation puisse suivre, etc. etc. » Mais bon... Oui. On rappelle que vous êtes sur du périssable, en fait, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de panier pays, etc. Bon, certains pourraient vous dire ben c'est l'occasion d'écouler votre production localement, mais ça ne suffira pas, évidemment. Et voilà, M. Kadiri, ça ne suffira pas, ça suffira pas, même si le consommateur guadeloupéen est le consommateur le plus adorable qui soit, le plus solidaire qui soit à la production locale, ça ne suffira pas et on en veut à personne. Simplement, on dit que voilà une situation qui met tout le monde devant ses responsabilités, que ce soit le banquier, que ce soit l'État, que ce soit toutes les formes d'organisation humaine à but politique, ça les met devant leurs responsabilités. La responsabilité de l'homme aujourd'hui, elle est simplement humaine, la responsabilité. Elle est humaine. Le comportement humain rythme toutes les choses qui peuvent se faire, qui peuvent se dire ou qui peuvent se décider. Et donc, on voit aujourd'hui que le secteur agricole, et en particulier le melon qui est extrêmement périssable, comme vous le dites, il en prend plein la figure, excusez-moi l'expression. Oui, et donc... ça c'est terrible. Le melon, vous récoltez le melon tous les jours. On récolte le melon tous les jours. Une fois sur deux, pas deux fois dans la semaine ou trois fois dans la semaine, on récolte tous les jours. Lundi au dimanche, tous les jours, on va dans les champs pour récolter le melon, pour le cueillir, le récolter au degré de maturité qu'il faut pour qu'il puisse résister au transport, résister au stockage chez le distributeur qui va le vendre au consommateur. Donc, quand vous faites tant d'efforts pour un produit que vous voulez être d'une qualité, d'une fraîcheur extrême, le sacrifice se comprend et s'explique facilement. D'autant plus que cette année, ça peut paraître paradoxal, mais on a été béni des dieux parce que on a eu des conditions climatiques qui ont fait que le melon est de grande qualité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est dommage, c'est frustrant que de constater qu'on ne peut que le jeter. Après un jour d'invendu, sous une chaleur pareille, le melon, on s'en débarrasse. Ouais. C'est dramatique. C'est dramatique ce que vous vivez, on le comprend c'est bien. Dramatique. Et c'est vrai vous savez, pardonnez-moi, monsieur Kadiri, pardonnez-moi, si vous le permettez, un petit commentaire qui va être peut-être excentré par rapport au milieu du sujet.
au centre du sujet qui nous concerne. Vous savez, il y a un drame psychologique et humain qui se joue là, mais qui n'est pas visible. Vous savez, quand vous voyez un arbre, la partie de l'arbre qui n'est pas visible, ce sont ses racines. Mais ce sont ses racines aussi qui constituent la cause de son existence. On ne voit que ses branches, ses feuilles, son tronc. Ça, c'est l'effet. La cause, elle est sous terre. Pendant toute la durée de la vie de l'arbre, vous ne verrez jamais ses causes. Sa cause, du moins. La cause, justement, qui fait qu'aujourd'hui, on a des paysans, on a des agriculteurs, on a des producteurs qui se livrent à ce sacrifice, je ne cesserai jamais de le dire, parce que c'est un sacrifice que de faire ça, à ce sacrifice professionnel pour pouvoir produire le melon et le vendre, fait que l'individu se pose la question, à quoi je sers dans cette société-là? Parce que je suis en train de produire de quoi nourrir la population, et aujourd'hui, je suis incapable de satisfaire ce besoin de la population, ce besoin qu'éprouvent mes semblables. Donc, c'est psychologiquement, c'est quelque chose qui va désarçonner, et peut-être pour longtemps, et voire sur plusieurs générations. Quand nos enfants ou les jeunes agriculteurs voient des situations comme celle-là, bon, il y a de quoi à être découragé et à ne pas s'intéresser à cette activité-là. Donc ça veut dire qu'il y a profondément une atteinte au fait à la volonté de vouloir être exploitant agricole, de vouloir pérenniser et de pouvoir pérenniser cette activité en Guadeloupe. Très bien, merci Jean-Marie Gobardan, et beaucoup de courage à vous et à tous les producteurs de melon, hein, à qui nous adressons tout notre soutien, toute notre affection. C'est bien dommage qu'il vous arrive, en plus dans une année où le melon, comme vous l'avez dit, était de grande qualité, mais qu'un bérette qu'on nous a dit. Oui. Que Dieu nous garde. Je vous remercie. Je remercie ATV, je vous remercie M. Fendéré, et je dis merci encore à toute la population guadeloupéenne. Et je salue bien bas, avec beaucoup de respect, tous nos ouvriers, tous nos collaborateurs qui manifestent le courage d'être encore sur le lieu de travail et les lieux de production. C'est important. Merci à vous. Ah oui, difficile, hein. Nous en parlions avec le président de l'Ordre des experts comptables, Jocelyn Italy, qui est sur le plateau avec nous, qui nous accompagne, qui accompagne les entreprises également. Là, on est face à une réalité, mais vraiment criante. C'est la montée des périls, pratiquement, on peut dire ça. Oui. Alors, il y a un certain nombre de choses qui m'ont un peu alerté sur le discours de M. Gobardan. La première, c'est qu'il dit, structurellement, on est déficitaire depuis l'ouverture. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est une situation, en fait, qui a perduré depuis un certain temps pour des objectifs, si ce serait des objectifs, a priori sociaux, voire publics. Ouais. Donc, on va dire souvent, que c'est pareil pour la filière canne. Hein. C'est pareil aussi pour bon nombre de chefs d'entreprise qui ont en fait créé leur propre emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes ces situations qui sont situations, en fait, iliennes, hein, qui sont liées à l'étroitesse de territoire, au fait qu'un territoire ultramarin n'est pas un territoire comme les autres, exacerbent, si vous voulez, ce type de choses. Oui. Là, c'est vraiment ça, un drame qui se dessine. Comment s'en sortir? Bon, on voit la région qui affrète 4 vols pour acheminer des melons en France, mais ouais. c'est peanuts. Bon, ça sera pas suffisant. Il faut voir l'après, il faut tout remettre à plat. C'est toujours pareil. Hein. C'est voir quels sont les leviers en fonction de la situation dont on a aujourd'hui. De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il y a l'avant et l'après. Il faut carrément vraiment reconditionner tout ce qui a pu se passer ou ce qui a pu exister avant et après la crise Covid pour bon nombre de chefs d'entreprise, clairement. Oui. Lorsqu'on traîne des pertes comme ça depuis, on a entendu, 12 ans, 13 ans... Est-ce que l'activité est viable quant au... La difficulté, c'est ce que je vous disais, c'est que peut-être que ce n'est pas une activité commerciale au sens du terme, mais qu'elle a des vocations qui
sont des vocations sociales ou des vocations donc de métier ou de filière. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est la puissance publique qui doit aider ce type d'activité. Parce qu'au-delà du rayonnement régional, il y a aussi le rayonnement national, visiblement, pour eux. Donc les collectivités doivent subventionner, il faut combler, il n'y a pas de choix. Il y a plein de dispositifs qui existent pour pouvoir accompagner ce type d'activité. Il y a l'économie mixte, il y a la filialisation, il y a plein de choses qui existent hein, au niveau de la puissance publique pour pouvoir accompagner ce type d'activité. On a parlé d'activité partielle et de sa mise en œuvre. Beaucoup d'entreprises ont eu recours à cette activité partielle. Énormément. On parle de 15 millions. Pour le coup, c'est pour ne pas parler d'aubaine, mais presque. Non, ce n'est pas une aubaine. Non. C'est un salaire que vous ne pouvez pas payer et que vous maintenez. Donc l'État dit, écoutez, licenciez pas, je vais payer le salaire à votre place. Parce que sinon, c'est un licenciement. Ce n'est en rien une aubaine. Ce n'est même pas un avantage pour l'entreprise. C'est juste un soulagement, en fait, pour le salarié et l'entreprise, pour essayer de faire en sorte que cette situation inédite soit la moins possible et la moins possible de conséquences sur l'exploitation. L'ordre des experts comptables est toujours disponible. Vous avez votre dispositif d'écoute au chef d'entreprise qui est à l'œuvre. Appel un expert, de 10 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. Le numéro de téléphone, c'est le 05 90 69 87 76. Vous avez, et je les remercie grandement, des confrères bénévoles qui vont répondre donc, à toutes vos questions que vous pouvez vous poser sur tous les dispositifs qui puissent exister. Ça peut aller de la question « Comment je fais pour pouvoir faire la demande d'aide de 1500 euros ?» Ou je n'ai pas de numéro SIRET, je n'arrive pas à entrer mon numéro SIRET, etc. On est là pour vous répondre et vraiment on le fait de manière bénévole parce qu'on c'est le important, temps. C'est important, voilà. Ça. C'est vraiment gratuit. Vous êtes au service des entreprises. Nous sommes au service des entreprises. Il n'y a pas qu'une affaire marchande entre nous et les entreprises. Elle vous appelle. Elle nous appelle. Moi, je rends vraiment hommage à tous les confrères et consœurs qui exercent dans ce territoire parce que. Et on est au service de nos entreprises sans compter et c'est presque un dévouement et ça je le respecte. C'est très bien. Il faut saluer votre initiative. C'est beaucoup de travail un expert comptable, c'est beaucoup d'études et se mettre au service c'est bien et de toute façon les entreprises vous le rendront. On l'espère, en tout cas nous sommes des passionnés, nous sommes investis par cette mission et on le fait pas par hasard. Je veux dire, si on le fait c'est vraiment qu'on a trouvé sa vocation et sa voie, en tout cas ça se verra. Merci à vous Jocelyn Italique, président de l'ordre des experts comptables, merci pour ce que vous faites pour les entreprises guadeloupéennes, pour l'entreprise Guadeloupe, on va dire, hein, tout simplement. Merci d'être venu jusqu'à nous. Nous avons le président de région, Harry Chalus, qui est en ligne avec nous. Bonjour, président. Bonjour. Vous venez de boucler la CTAP, la conférence territoriale de l'action publique avec votre collègue du département, le préfet de région, les présidents de PCI. Vous avez élargi cette CTAP qui s'est tenue par visioconférence, c'est bien ça, aux parlementaires également. Hein. Alors, que faut-il en retenir ? Bon, déjà, il y a eu des questions à poser. Concernant les mesures mises en place pour pouvoir soutenir et accompagner la population guadeloupéenne, notamment concernant les respirateurs qui sont arrivés, concernant aussi les lits médicalisés. Nous avons demandé aussi à ce qu'il y ait une plus grande concertation entre nous élus, parce que en matière tout ce qui concerne une crise en Guadeloupe, nous sommes les meilleurs experts, les Guadeloupéens sont les meilleurs experts. Des questions ont été posées pour voir aussi comment l'État souhaite accompagner et prendre ses responsabilités, surtout sur la crise économique que nous allons avoir actuellement, les aides à apporter aux entreprises. Et chaque président de PCI a fait un bilan de la situation dans sa circonscription.
Nous avons tous les présidents de PCI, tous les parlementaires étaient là. Nous avons parlé aussi des problèmes d'eau, surtout que nous allons entrer dans une période de sécheresse pour pouvoir accélérer les mesures, comment mettre en place des mesures pour pouvoir accompagner les Guadeloupéens qui n'ont pas d'eau, les citernes, les travaux qui sont en cours pour ne pas les arrêter, mettre les mesures de sécurité en place de manière à subvenir à cela. Les masques qui vont arriver aussi, les commandes, comment harmoniser toutes ces commandes qui sont passées par la région, le département, les EPCI, de manière à ce que nous ne puissions pas avoir des masques qui arrivent comme un peloton de cyclistes l'un après l'autre. Donc les choses se mettent en place et maintenant nous avons mis en place un comité Covid-19 avec nos DGS, nos directeurs économiques, de manière à harmoniser tout ce que nous allons mettre en place pour pouvoir effectivement et subvenir et protéger notre population. Donc des décisions, enfin surtout un espace de concertation. Bon, en visioconférence, c'est pas forcément évident, mais bon, le contexte. Ça a été quand même une très belle réunion. Bien entendu, on s'est compris. 2h45 de réunion, oui, ça s'est bien passé. Oui. Pas de décision forte. Enfin, les décisions fortes, c'est l'arrivée des masques pour le personnel soignant, mais nous avons aussi pensé aussi faire travailler nos artisans. Nous avons déjà nos régions commandées un certain nombre de masques par la chambre des métiers avec nos artisans, parce que nous avons des taximans, des pompes funèbres, des ambulanciers, la police, les gendarmes, les éboueurs, des personnes qui ont besoin de masques pour pouvoir travailler. Les livreurs, tout cela, donc il faudrait un grand nombre de masques pour pouvoir accompagner ces personnes. Et comme je l'ai expliqué, bon, j'ai fait une demande exceptionnelle aussi avec un chef d'entreprise, d'autres chefs d'entreprise qui vont nous accompagner à nous faire parvenir des masques. Vous avez vu peut-être le communiqué du groupe Bernard Ayotte pour la Guadeloupe, 300 000 masques à disposition du personnel. Nous avons d'autres chefs d'entreprise qui nous accompagneront en ce sens. Ce matin, nous avons eu une belle réunion avec tous les banquiers de la Guadeloupe, avec la CCI, le Fonds économique, de manière à mettre en place des dispositifs pour accompagner les entreprises qui risquent de subir vraiment de plein fouet cette crise. Donc tout se met en œuvre. Et la région aussi a fait part aussi des actions que nous allons mettre en place, en plus des aides de l'État. La région va mettre un plan d'urgence en place de 5 millions pour pouvoir accompagner les très petites entreprises. Demain, nous avons une commission permanente et nous allons prendre cette décision. Dès la semaine de lundi, ce plan sera en place pour pouvoir accompagner à hauteur de 5 à 15 000, voire 20 000 euros des très petites entreprises avec des prêts qui seront différés sur 2 voire 3 ans qu'ils auront à rembourser. Donc, nous essayons de tout mettre en œuvre pour pouvoir accompagner nos entreprises en Guadeloupe. Très bien. Cette réunion avec les banques, c'est bien passé. Les banques doivent jouer le jeu, c'est impératif. Oui, il y a des doutes là-dessus. Bien passé. Je ne dis pas qu'ils vont jouer le jeu, ils vont faire leur travail pour pouvoir accompagner les entreprises. Car sans entreprise, il n'y a pas de banque non plus. Donc, ils sont partants, vraiment, les banques sont partantes pour pouvoir mettre en œuvre tous ces dispositifs, les accompagnements, les garanties pour pouvoir soutenir les entreprises guadeloupéennes. C'est la Guadeloupe qui doit faire bloc, c'est la raison pour laquelle vous avez élargi cette CTAP virtuelle, on va dire, en visioconférence aux parlementaires. Oui, mais quand nous parlons de solidarité, c'est ce que moi j'appelle de mes voeux. Nous sommes dans une crise sans précédent. Et là, il est clair qu'il n'y a pas de parti politique. Pour moi, ce sont des Guadeloupéens responsables qui doivent prendre leurs responsabilités pour pouvoir accompagner la population guadeloupéenne. Et ça, c'est très très bien passé. Il y a eu beaucoup de propositions, des aides, et nous pensons tous les 10 jours avoir cette même réunion pour faire le point là-dessus. Nous avons aussi parlé de cet arrêté de couvre-feu là concernant ces jours pascals, parce que c'est fête pascale, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des personnes qui allaient déjà clôturer des terrains, monter des tentes sur des plages. Il faut éviter cela. Si nous voulons vraiment vaincre ce virus, il faut que nous puissions rester confinés chez nous. On aura d'autres fêtes pascales, on aura d'autres fêtes, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est la santé des Guadeloupéens, et nous prendrons toutes les mesures pour pouvoir surveiller cela et être vigilants là-dessus. Bravo au préfet pour ce couvre-feu renforcé durant ce week-end, et c'était la décision à prendre. Enfin, c'est à la demande quand même de certains maires, hein.
histoire de bravo. Moi, je ne suis pas là pour dire bravo à qui que ce soit. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la santé de notre population. Parfait. Peut-être une question sur les meloniers. Harry Chalus, on a eu il y a quelques instants Jean-Marie Gobardan qui faisait part de sa grande inquiétude. On sait que vous avez pris une initiative pour l'affrètement de vols donc destinés à l'acheminement des melons en France hexagonale. Mais les meloniers le disent, hein, on est loin du compte. Ils sont vraiment au bout du bout, hein, là. Hein. Vous savez, on a mis un plan de solidarité en place, comme nous l'avions fait pour les fruits et légumes. Déjà, en Guadeloupe, nous allons, livrer des cajous de melon pour la population guadeloupéenne, déjà pour soutenir la filière, cette filière. Ensuite, nous avons affrété un avion pour permettre aux meloniers de livrer leurs melons hors saison au niveau de l'Hexagone. Donc, en principe, l'avion devrait partir demain. Donc, je pense que la région a fait fort pour pouvoir accompagner et les meloniers. Par la suite, il faut savoir que j'ai demandé au président de la République, quand nous avions eu une visioconférence avec plusieurs ministres, où j'ai demandé l'annulation purement des charges sociales pour les très petites entreprises, surtout que nous avons 90% de très petites entreprises et de PME. Aujourd'hui, nous avons mis en place, même aussi, il faut le dire, pour les lycéens, des portables qu'on nous a demandé, que nous avons déjà livrés, que ce soit au niveau des lycées, pour les jeunes qui n'ont pas les moyens, pour aussi l'université, suite à une demande du président de l'université. Et nous avons même demandé aussi à augmenter les débits téléphoniques aux responsables, notamment Orange et SFR, pour pouvoir accompagner ces jeunes et gratuitement. Actuellement, nous sommes en train de mettre en place aussi des solutions hydroalcooliques où la région va financer l'achat des produits pour qu'on puisse aussi offrir aux Guadeloupéens des solutions hydroalcooliques. Parfait, merci à vous Président Harry Chalus pour cette réaction en direct donc au sortir de votre CTAP qui s'est tenu donc ce matin par visioconférence. Merci de vous être rendu disponible, merci à vous. Merci à vous. Parfait. Nous arrivons au terme de cette édition spéciale sur les antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné et donc qui m'a permis de vous présenter cette édition. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous et restez chez vous. EFM Guadeloupe, 96, 101 et 103.2. EFM.